Tu devras malheureusement goûter à l'amertume de la mortalité. Que ce soit par les dégâts du temps ou par l'épée, Aragorn mourra. Et rien ne pourra te réconforter. Non mais écoutez-le, on dirait qu'il va nous jouer une de ces tragédies d'elfes. Elfique, mon père. Attends, tu l'as entendu comme moi. Mais s'il est plus dans le coup. Papa, si Aragorn meurt, je vais toujours me trouver un autre homme. Je serai pas la première à le faire, hein. Et c'est ça. Là, les gens de la description des elfes. De toute façon, je préférais vous laisser entre vieux. Mais j'ai même pas 28 ans. Tu as oublié 2-0 derrière ma copine. Mais chut! Une lady ne donne jamais son âge. Elle se rend compte que c'est elle-même qui vient de le donner. Enfin bref, revenons-en à nos dragons. Partons à la conquête des hommes. Regarde, là-bas. Mm-hmm. Non, non, pas là. Regarde! Où ça? Où ça? Là! Pas mal du tout! Laisse faire les profs. T'as de beaux yeux, tu sais. Et les rayons X, ils sont fournis avec? Ah! Mais par la barbe de Gandalf, t'as rien trouvé de plus mauvais. T'as qu'à le faire, c'était si que ça. Faut tout faire soi-même. Dis-moi, mon chou, c'est quoi ton nom que je t'ajoute sur Redbook? Comment ça, t'as Redbook? Alors t'as pas non plus de fanpage? Oh là là, mon chou, faut vivre avec ton temps, hein? Celui-là, je suis sûre qu'il a été le parking. Et en plus, c'est ton frère qui le marque. Mais je fais comment, moi, pour me trouver un mari? Arrête-moi si je me trompe, mais ton mari n'est pas encore mort. Ça ne saurait tarder. On les applaudit très fort, c'était Eowyn et Arwen, vice-seigneur de l'Anneau, participante au P4.